Le geste qu'a fait Vinicius Junior face à Leipzig est absolument honteux et on va parler de l'arbitrage du Real Madrid. Salut à tous les gars, c'est Asia. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur ce Real Madrid-Leipzig. Ça va pas être un débrief de match aujourd'hui. On va juste revenir sur l'action qui a fait grandement polémique parce que je voulais y réagir. Je voulais donner mon avis. Dans cette vidéo, on va pas voir que ça, on va pas parler que ça. On va aussi revoir un petit peu toutes les déclarations des gens qui ont réagi à ça, notamment Habib Bey qui est présent sur la miniature juste ici pardon, mais c'est pas le seul. On va voir un petit peu tous les avis aussi parce que on l'a vu globalement, à part les supporters madrilènes et quelques aficionados, etc. La plupart des gens sont plutôt d'accord pour dire que ce geste qu'on voit sur la miniature juste devant vous de Vinicius Junior méritait assez largement carton rouge. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, sauf les Madrilènes, mais on va aussi voir des avis du coup de Madrilènes et du coup qui essayent de défendre leur point de vue. On verra un petit peu les deux trucs et on va comparer, on va essayer de faire un débat objectif et on va essayer d'être un maximum mesuré dans cette vidéo et pas tomber dans le bashing du Real Madrid ou dans le complotisme facile. Complotisme, bref. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et puis on va pouvoir y aller dès maintenant. Rentrons directement dans le vif du sujet. Je vais commencer par donner mon avis pur et dur quand j'ai vu le geste en direct, ce que j'en pensais à chaud, on va dire. Donc Vinicius Junior écope d'un carton jaune après une faute et un vilain geste sur Orban, ça méritait plus. Je tiens quand même à rappeler, bon, j'ai pas mis les images, mais Vinicius Junior vient d'abord mettre un gros coup d'épaule dans le dos d'Orban, qui le fait tomber. Orban se relève, il dit quelque chose à Vinicius, peut-être que c'est une insulte ou quoi, ça, on ne sait pas. Enfin, en tout cas, moi, je ne sais pas, j'ai pas vu de truc là-dessus. Et en se relevant, du coup, Orban se lève honnêtement sans faire de geste d'humeur envers Vinicius. On voit qu'il lui parle. On ne sait pas ce qu'il lui dit, enfin je ne sais pas ce qu'il lui dit, mais il n'y a pas de geste en mode d'agression, entre guillemets. Et là, Vinicius fait ce geste où il le pousse en quand même attrapant bien le cou. Je ne dis pas non plus, je ne vais pas abuser, je ne vais pas faire l'abuseur, je ne vais pas dire qu'il a étranglé comme certains l'ont dit, faut pas abuser, mais il le pousse, tu vois, en mettant une petite pression sur le cou quand même. Et pour moi, je suis désolé, ça mérite carton rouge. Et globalement, tout le monde est d'accord là-dessus, comme j'ai dit en intro de la vidéo, sauf les supporters du Real Madrid ou alors ceux qui défendent le Real Madrid. J'ai vu franchement que des avis pour dire que c'est anormal que Vinicius Junior ne prenne pas un carton rouge. Alors maintenant, on va se poser la question. Est-ce que Vinicius Junior n'a pas pris un carton rouge parce que c'est Vinicius Junior et parce que c'est peut-être une erreur d'arbitrage? Ou est-ce que Vinicius Junior n'a pas pris ce carton rouge parce qu'il portait le maillot du Real Madrid? Et moi, je vous l'ai toujours dit sur la chaîne, vous pouvez re-regarder les vidéos où je parle de ce genre de sujet, d'arbitrage, etc. Le Real Madrid et le Barça, pour moi, je mets les deux ensemble, même si en ce moment, le Barça, c'est vrai qu'ils prennent un peu plus de douille. Mais je pense aussi, c'est parce qu'ils sont un peu moins forts qu'à l'époque. Tu vois, la puissance aussi a bien baissé, que ce soit financière et aussi structurelle du Barça sur les dernières années. Donc je pense que c'est ça aussi qui y joue. Mais globalement, tu prends un panel des 20 dernières années, tu vois, les 15-20 dernières années, le Barça et le Real sont hyper avantagés. Je vais pas dire avantagés, parce qu'avantagés, ça laisserait penser que il y a un complot pour que les arbitres avantagent ces clubs-là. Je vais pas dire avantagé, je vais dire favorisé. Voilà, et ça fait, on va dire, sur les 15-20 dernières années, le Real Madrid et le Barça, c'est un fait, sont favorisés par l'arbitrage. Maintenant, je vais pas tomber dans le stéréotype un peu débile des gens qui disent oui, le Real Madrid, les arbitres, le Real Madrid joue à 12, le Real Madrid, la corruption, ils se cachent même pas, ils payent les arbitres, tout ça, tout ça. Non, je vais pas dire ça. En vrai, ça s'explique. Et comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, parce que vous faut pas se mentir, lors de cette double confrontation, je suis supporter de Leipzig. Je pense que je pète un câble, honnêtement. Je suis supporter de Leipzig là sur la double confrontation. Je pète un câble parce qu'entre les erreurs d'arbitrage à l'aller et au retour, à l'aller où il t'annule un but pour un hors-jeu où il n'y a pas hors-jeu, et notamment aussi pas mal de fautes à l'aller, Carvajal doit prendre carton rouge aussi tous les jours.
Je ne sais pas comment Carvajal il fait pour finir le match seulement avec un jaune à l'aller. Là, au retour, Vinicius, il doit prendre rouge. En plus, le pire, c'est qu'il ne prend pas. Et 5 minutes après, c'est lui qui marque. Tu vois, franchement, tu es à la place des joueurs de Leipzig. Enfin bref, tu es dans la sphère Leipzig. Tu pètes un câble. Honnêtement, tu pètes un câble parce que tu te dis, on s'est fait avoir par l'arbitrage. Même si Leipzig pouvait, même avec l'arbitrage, on va dire défavorable, gagner ce match parce qu'ils ont été très, très maladroits. Et en plus, on a eu pas un grand, pas un bon Real Madrid du tout. Mais ouais, tu es à la place de Leipzig, tu as envie de câbler. Et pour revenir du coup sur le sujet de l'arbitrage, bah, tout simplement, les gars, pour moi, ça s'explique par le fait que oui, c'est une réalité, c'est le Real Madrid. Et ça reste le plus grand club de cette compétition. Et ça reste le plus grand club médiatiquement parlant. Et tu sais très bien que quand tu es arbitre et que tu vas faire une dinguerie, que tu vas siffler contre le Real, tu as plus de chances de te faire taper sur les doigts que si tu siffles un truc contre Leipzig. Et c'est la vérité. Faut se l'accorder. Et on l'a vu encore très récemment en Liga. Parce que ça, les supporters du Real n'arrêtent pas de nous le rappeler. Cette fameuse scène où c'est vrai qu'il y a eu une erreur d'arbitrage lors de Valence-Real Madrid. L'arbitre qui siffle la fin du match un petit peu avant et Bellingham qui marque du coup, mais le but n'est pas accepté. Bah, bizarrement, quand il y a ce genre d'erreur d'arbitrage qui arrive contre le Real Madrid, des sanctions sont très vite prises contre les acteurs. Alors que je peux vous l'assurer que si cette décision arbitrale avait eu lieu pour Valence contre, enfin du coup contre Valence et pour le Real Madrid, je suis pas sûr que l'arbitre en question aurait été sanctionné directement après le match. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je vous dis, il y a le côté médiatique, il y a le côté poids, etc. Maintenant, ça ne veut pas dire non plus qu'il y a la corruption, etc., etc. Et comme je vous avais pris un bon exemple, en fait, l'arbitrage, ça fonctionne comme ça, c'est de l'interprétation. Et la plupart des gros clubs dans leur championnat, ils ont un petit avantage d'arbitrage généralement. Tu vois, à l'échelle d'une saison, on va dire si il y a 10 décisions qui sont à prendre, et bah quand tu es le gros club, 7 fois sur 10, la décision, elle va être dans ta faveur plus que en la faveur du petit club. Tu vois ce que je veux te dire? Et bah pour le Real Madrid, c'est ça, mais en Ligue des Champions, parce que le Real Madrid et le Barça, comme je vous l'ai dit, mais un peu moins en ce moment, parce que le Real Madrid, c'est le gros club de la Ligue des Champions. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, ça s'explique pour ça. Maintenant, on va pas se mentir, ça fout le seum. Et on va voir un petit peu aussi les autres avis. Donc Vinicius Junior critiqué après le match Real Madrid vs le RB Leipzig pour une faute non sanctionnée et surnommée l'étrangleur par Bill. La qualification du Real Madrid fait polémique en Allemagne. C'est vrai que la qualification a été très compliquée pour le Real Madrid. Enrich, du coup, a réagi, je vais le dire ouvertement et honnêtement. Si l'un de nos joueurs s'en prenait au cou d'un joueur du Real Madrid, il serait expulsé à 100%. Et sur ça, il a totalement raison. Et ça rejoint mon argumentaire, comme je vous l'ai dit, le côté Real Madrid. Tu vois, tu peux pas. Quand tu as une décision à prendre et que, entre guillemets, c'est du 50-50 et que l'arbitre doit trancher, il va plus trancher en faveur du Real que trancher en faveur du petit club, entre guillemets, qu'il affronte. Et Enrich a 100% raison. Là, tu fais cette scène-là à l'inverse, c'est-à-dire c'est Orban qui prend par le cou Vinicius comme ça, comme sur l'image. Orban prend rouge, c'est sûr et certain, clair, net et précis. Orban prend rouge à 100%. Après, il y a peut-être aussi le côté c'est Vinicius, parce qu'on le sait, on l'a vu aussi par le passé, que quand tu as un certain pédigré, que tu as un certain joueur avec une grosse réputation, des fois les arbitres vont être un peu plus indulgents avec toi, comme on a pu le voir par le passé avec des CR7, des Messi, etc. Mais voilà, on va pas se mentir que Orban il fait ce geste-là, il prend rouge, ça c'est quasiment sûr. Pour Habib Bey, c'est dingue que Vinicius Junior n'ait pas pris un rouge ce soir. Dans 99,9% des cas, si ce n'est pas le Real Madrid, il y a rouge. La VAR doit sanctionner d'un rouge. Voilà l'avis d'Habib Bey. Stéphane Guy hier soir sur l'arbitrage. Si ce n'est pas Vinicius, si ce n'est pas le Real Madrid, que se passe-t-il? Est-ce qu'on peut voir le Real Madrid à 10 en LDC à la 55e minute? Non, Eric Dimeco, sa tunique le sauve sur ce coup-là quand même. Tu vois, donc tout le monde est d'accord là-dessus, soyez honnête. Stéphane Guy, entre le but refusé à l'aller pour des raisons qu'on cherche encore et cette décision arbitrale-là, ça fait beaucoup et c'est pour ça que je vous dis, Leipzig sur la double confrontation, tu dois vraiment péter un câble à leur passe. Pedrag Mijatovic, je pense que ça se dit comme ça, ancien joueur et dirigeant du Real Madrid, critique Vinicius Junior, le maillot du Real Madrid ne peut pas tolérer ce type de comportement, peut-être que celui d'une autre équipe
Oui, je conseille à Vinicius de trouver une manière de se calmer où il ne sera jamais un très grand joueur. Tout le monde lui dit qu'il doit changer son comportement. Il crie sur les adversaires et ses coéquipiers. Ils doivent le calmer comme si c'était un gamin. Il doit changer radicalement. Carrément, ça critique même son attitude. Frédéric Hermel, dans voilà, le personnage qu'on lui connaît, lui, ça a été le seul. Même des dirigeants du Real ont dit qu'il y avait rouge. Lui, ça a été le seul à dire qu'il n'y a pas rouge. Voilà, pense qu'il n'y a pas rouge sur l'action de Vinicius ce soir. Si tu mets rouge là-dessus, il n'y a plus de foot. Ah bah oui, donc maintenant dans le foot, tu as le droit d'étrangler tes adversaires. Je savais pas. Voilà, Hermel nous apprend des nouvelles règles. Tchouaméni qui a réagi. La semaine dernière, on n'a pas été épargné par l'arbitrage. Peut-être qu'aujourd'hui, on a eu de la chance. Donc tant mieux pour nous. L'air de dire que même Tchouaméni se rend compte qu'il y a eu un petit pot de bol niveau arbitrage pour le Real Madrid. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.